Le général-major Chiko Chitambwe Jérôme, sous-chef d'état-major chargé des opérations d'état-major général, est de retour à Kinshasa. Après un séjour à la tête d'une délégation des FARDC dans quelques pays de la communauté des états de l'Afrique australe, SADC, le réchauffement de la coopération militaire en cette période où notre pays fait face à l'agression du Rwanda sous couvert du M23 a été au centre de cette mission de travail, a fait savoir les chargés des opérations d'état-major général au cours d'un entretien accordé au service de communication et d'information des forces armées. Avec les efforts du commandant suprême, ces efforts qui ont conduit à ce que les sanctions auxquelles nous étions victimes injustement avaient été levées, nous sommes dans une phase où nous devons essayer de renforcer nos relations au niveau régional avec la SADC et au niveau bilatéral aussi avec quelques pays de la région pour essayer de voir comment nous ouvrir aussi à d'autres horizons, faisant appel à nos différents partenaires dans la région. C'est pourquoi j'étais parti voir nos partenaires et on a eu des bons contacts. Ça va produire des fruits d'ici là. N'oubliez pas aussi que cette organisation nous avait beaucoup aidé à l'époque où nous avions connu la première guerre d'agression dans les années 1999-2000, je pense. Et nous gardons de très bons souvenirs avec nos partenaires de la SADC et aussi nous portent à cœur et nous allons voir dans quelle mesure faire un bon progrès sur le plan de défense. Cette guerre nous a pris au moment où nous étions concentrés dans les opérations contre les EDF et les autres opérations dans l'Ituri et dans la partie sud. Les forces armées sont en train de faire leur travail. La guerre contre les Rwanda, nous allons l'emporter. Tous ces territoires conquis par ces derniers seront repris sans aucune forme de négociation. Ça fait presque 25 ans que notre population dans la partie est souffre beaucoup. Du massacre de Makobola jusqu'à Kishishe, tout est documenté. Le massacre de l'Est porte un nom et une adresse. Et tôt ou tard, les responsables vont payer.